Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nombreux achats que j'ai effectués chez Magic Dépôt. Il y a quelques jours, vous avez eu un haul Noz et quand je suis allé chez Noz, j'ai trouvé les prix quand même assez élevés. Et je vous avais dit dans ce haul, ça serait bien d'aller chez Magic Dépôt pour voir si également chez Magic Dépôt ça a augmenté ou si finalement Magic Dépôt reste quand même vachement plus intéressant que Noz. Du coup, je suis allé chez Magic Dépôt pour comparer et je vous filme cette vidéo assez rapidement pour que vous puissiez vous faire un avis. Noz, Magic Dépôt, Noz. Voilà. Comme ça, il n'y a pas trop de distance entre les deux halls. Et vous pourrez me dire en commentaire laquelle des deux enseignes vous préférez. Alors malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait des Magic Dépôt sur toute la France. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça s'est développé. Nous, ça fait très longtemps qu'on en a dans le Nord. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir sur leur site pour voir s'il n'y a pas un magasin comme ça près de chez vous. Parce que vous allez le voir, j'ai trouvé des pépites. Mais des pépites! Moi-même, j'en suis pas revenu. Et en plus, j'ai trouvé des produits que je cherche depuis de nombreuses années. Enfin, franchement, cet après-midi, chez Magic Dépôt, c'était la caserne d'Ali Baba. Et en plus, tout ça à petit prix. Alors, je vais vous présenter le premier produit que j'ai pris, parce qu'à chaque fois que je vais chez Magic Dépôt, j'en prends, mais c'est vraiment intéressant. J'ai pris un pacte de lait. 6 litres de lait. Voilà, que j'ai vraiment pas payé cher, j'ai calculé, ça revient à 69 centimes du litre. Oui, je vais parler en litres de lait, hein, parce que moi dans le magasin, maintenant Magic Dépôt, là ce que j'ai fait, comme j'étais tranquille, Monsieur Beauté en Herbe n'était pas là, j'ai pris mon temps. J'ai vraiment comparé les prix hein, sur internet et tout. Hein. Bon, bah, en même temps, tout était moins cher qu'en supermarché à Magic Dépôt, donc ça n'a pas été compliqué de comparer. Mais le lait, chez Magic Dépôt, Lactel, lait demi-écrémé professionnel, il est moins cher que le lait marque Pousse dans mon supermarché habituel. Donc non seulement le lait est 1 centime moins cher du litre que le lait marque Pousse, mais en plus c'est du lait de marque. Donc bah, que demande le peuple? Donc déjà du lait, j'en prends à chaque fois que je vais là-bas, parce qu'il est moins cher et parce qu'il est très bon celui-là en plus. Je sais pas. C'est peut-être dans la tête, parce que c'est marqué Lactel professionnel dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il est meilleur. Donc je vais poser mon pack de lait et je vais prendre le premier sac. Qui dit premier sac dit effectivement qu'il y aura un deuxième sac. Mais j'ai pris des trucs qui pèsent assez lourd, donc je vais déjà prendre le premier sac. Et après je vous montrerai ce qu'il y a dans le deuxième. C'est les choses les plus intéressantes forcément dans le deuxième. Donc il faudra regarder toute la vidéo pour voir les pépites. Bref, à tout de suite. Bien, commençons donc par le sac le plus lourd qui contient pas énormément de choses, mais ce sont des produits volumineux. J'ai commencé par reprendre du Café Royal. Le Café Royal qui était également en promotion, qui était au prix de 8,90 €. Alors j'ai l'impression que ce café était au même prix que chez Noz. Mais il y a une différence, c'est que c'est du café bio. Et en plus du café fair trade, commerce équitable, il y a 1 euro qui est reversé aux caféiculteurs, donc tous les kilos, il me semble, c'est expliqué. Hein. Pour chaque paquet vendu, nous reversons au caféiculteur Rodriguez de Mendoza, au Pérou, 1 euro en plus du prix minimum du café biologique issu du commerce équitable. Ah bah donc j'en ai repris, alors 8,90 €, c'est intéressant. Et en plus, eh bien je sais que Café Royal, c'est du très bon café et c'est du 100% Arabica. Et là, pour une fois, c'est marqué un petit peu plus grand que le café professionnel de la dernière fois. Bon, écoutez, vu ma consommation de café... Et vu également le fait que je fais du cold brew et que quand on fait du cold brew, on utilise quand même pas mal de café, ben ça sera pas de trop. Alors, j'aime beaucoup le café du Pérou. Il me semble que j'en avais déjà bu. Hein. Note, fruits des bois, noix de muscade, vanille. C'est un café assez doux. Il n'est pas non plus sans arôme, parce qu'il y a des cafés vraiment trop doux. Mais là, il a du goût, mais c'est un goût qui n'est pas aigre. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà.
Donc 1 kilo de café, 8,90 € ça vaut le coup, j'ai repris. Du vinaigre de vin. Alors je savais plus s'il me fallait du vinaigre de vin. Mais quand j'ai vu le prix, j'en ai pris. Parce que le vinaigre de vin, vous pouvez regarder sur votre bouteille, il n'y a pas de date de péremption. Donc c'est toujours bon, 69 centimes, le vinaigre Amora, vinaigre de vin. Savoir-faire authentique, vinaigre de vin rouge. Bon, voilà, c'est classique. Mais moi j'utilise beaucoup de vinaigre, surtout du vinaigre de vin, puisque j'en mets partout. Alors j'en mets quand je fais des lentilles. Un petit peu de vinaigre de vin, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Dans les lentilles, c'est très bon. Quand je fais aussi des haricots blancs secs, un petit peu de vinaigre de vin, ça donne du goût, c'est très très bon. Purée de pois, il m'arrive d'en mettre également, mais c'est pas mon astuce préférée. Bref, j'utilise beaucoup de vinaigre de vin, puis également eh bien, dans les salades, dans les crudités, etc., etc. 69 centimes, ça vaut vachement le coup, hein, parce que c'est pas donné du vinaigre de vin, du vrai vinaigre de vin en supermarché. On continue. J'ai trouvé des petits pois. J'ai pris trois boîtes de petits pois, je vais pas vous sortir les trois boîtes. Ça, c'est des petits pois mystères. Il y a juste une étiquette qui a été recollée dessus. Et on ne sait pas d'où ça vient, c'est un produit préparé en France, mais on n'a pas d'adresse, on n'a pas de numéro, de machin, de truc. C'est peut-être en dessous, vous savez, il y a la date de péremption avec d'autres codes, il y a peut-être le code de l'usine ou j'en sais rien, mais je ne sais pas du tout d'où viennent ces petits pois. Ça serait des petits pois d'une grande marque déstockée, que ça m'étonnerait pas, parce que des fois, vous avez, et vous verrez hein, dans les boîtes suivantes, que des fois on a chez Magic Dépôt des produits de grandes marques qui sont déstockés sous une autre marque. Pour ne pas nuire à la grande marque, là c'est peut-être exactement la même chose. Si ça se trouve c'est Bonduelle ou Dossi, j'en sais rien. Si ça se trouve, hein. Si ça se trouve non, mais voilà. En tout cas, sachez que les petits pois ils étaient à un prix, mais alors extraordinaire, 40 centimes la boîte, 3 boîtes 1,20 €. Ben, on va manger des petits pois ce soir, hein. Parce qu'en plus ça me faisait envie, c'est pour ça que je les ai pris. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de petits pois. Je me suis dit tiens c'est une bonne idée ça. Donc il y a la deuxième boîte, la troisième boîte, je vais laisser dans mon sachet. Alors, continuons. Dans les boîtes, j'ai pris des haricots blancs cuisinés à la graisse de canard. Et ça, c'est trop bon. C'est comme si vous mangiez du cassoulet sans la viande. Alors, il y a de la graisse de canard, donc c'est pas ni vegan ni végétarien. Oh, mais c'est bon. Alors, combien j'ai payé ça? Parce qu'attention, il y a différentes boîtes. Hein. Alors, oui, avant. Claude Vétillard, c'est la marque. Sachez que c'est Reynald et Roquelaure, service consommateur, Reynald et Roquelaure. Donc, c'est de la marque. Voilà, c'est beaucoup moins cher, mais c'est Reynald et Roquelaure à l'intérieur. C'est juste qu'ils ont trop de boîtes, alors il est déstock. Faut pas que je me trompe, c'est les haricots blancs cuisinés, 1,59 € la boîte. Ce qui est pas cher parce que les haricots blancs, c'est pas cher, mais cuisiner à la graisse de canard, ça fait monter le prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme boîte ici? Il y a encore des petits pois. Mon Dieu, j'ai pris des petits pois pour toute ma vie. Autre boîte que j'ai pris. Et je crois qu'après, c'est tout. Je vérifie. Ah ben non, c'est pas tout. Ah non, c'est pas tout. Bref, j'ai pris un cassoulet toulousain. Cassoulet toulousain au porc cuisiné à la graisse d'oie, toujours Reynald et Roquelaure, parce que moi j'aime bien. Et des fois on n'a pas le temps de cuisiner, donc un petit cassoulet quand il fait frais, ça ferait du bien. Vous allez me dire quand il fait frais en plein été, oh, dans le nord le temps n'en fait qu'à sa tête. Je vous dis aujourd'hui on a eu de la pluie toute la journée et sur un tard, sur le soir, il commence à faire chaud. Du coup en plus l'eau qu'il y a au sol, le sol humide est en train de sécher, ça fait un taux d'humidité horrible et je suis en nage une fois de plus. Mais voilà, pour les soirées fraîches, car on en a eu, malheureusement, encore cette semaine, ça fera du bien. Avec de la moutarde. J'ai encore de la moutarde chez moi. Vous avez encore de la moutarde chez vous? C'est la galère à hein, trouver de la moutarde dans le nord, en tout cas, c'est la galère. Alors, le cassoulet, je vous ai donné le prix. Forcément, c'est pas le même prix que les haricots seuls, c'est 2 euros. Voilà. Alors, on continue. J'ai pris des haricots blancs cuisinés et charcuterie façon cassoulet. De la marque Saint-Benoît.
Oui, j'ai fait mes stocks, hein. Je ne vais pas manger tout ça en une semaine, hein. On est d'accord, je n'ai pas mangé que du cassoulet dans ma vie, mais c'est bon jusqu'au 1-2-2025, hein. Je vous montre la date. Je pense qu'avec cette caméra-là, vous allez pouvoir voir la date, je ne sais pas. Donc jusqu'en 2025, c'était le bon plan. Donc là, la marque Saint-Benoît, pour information, c'est William Saurin. Donc vous regardez l'adresse ici, c'est WSP, c'est William Saurin. P, je sais plus ce que ça veut dire, mais l'adresse là, 77 407 Lagny-sur-Marne, c'est l'usine William Saurin. Donc Saint-Benoît, c'est la même chose que William Saurin. Ils ont marqué haricots blancs cuisinés et charcuterie façon cassoulet. Je ne sais pas du tout pourquoi ils n'ont pas marqué cassoulet. Parce que, voilà, peut-être ils ne voulaient pas qu'on sache que c'est du cassoulet William Saurin, mais en vachement moins cher. Je ne saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. En tout cas, ben ça c'est pareil, hein. C'est des grosses boîtes de 840 grammes, si vous voulez savoir. Et ça coûte 1 euro et des poussières. 1,59 €. Donc vraiment pas cher. On continue. Je vous l'ai dit, hein. Ah, ça, puis ça va être long comme vidéo, hein. On va continuer avec des soupes. Alors j'ai repris des soupes parce que moi, des fois, je prends de la soupe avec quelques tranches de pain et du fromage et ça me fait un repas. Là, j'ai pris la moulinée huit légumes, douceur de huit légumes à la crème fraîche. Voilà. J'adore cette soupe. Elle est très douce. Très très douce. Pommes de terre, tomates, carottes, courges, petits pois, céleri rave et poireaux. Et alors là, ça c'était intéressant, mais alors très 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 intéressant. La douceur de huit légumes, c'est 2 euros pour les deux. Ça fait 1 euro le litre. Alors ça, j'ai regardé le prix en supermarché, c'est pas du tout ces prix-là, hein. Quand j'ai vu ça, j'en ai pris. Et j'en ai pris une autre sorte. Vais-je réussir à tout poser? Oui. J'ai pris douceur de tomate à l'italienne. Mais alors faites attention parce qu'il y a différentes soupes de tomates chez Knorr. Mais là, c'est la tomate mozzarella que j'ai déjà goûtée et qui est excellente. Il y en a de la tomate crème fraîche. Faut prendre la tomate mozzarella. Donc, super bonne soupe. Tomate, oignon, mozzarella. On a 2,1% de fromage. Voilà. Et après, c'est remarqué fromage après. Bon, y a du fromage quand même là-dedans. C'est ça que ça donne un bon goût. Donc ça, je recommande, c'est pareil. C'était 2 pour 2 euros, ça fait 1 euro le litre. Et enfin, un produit que je cherchais depuis des années, qui se vendait avant chez Action, mais que je n'ai pas retrouvé chez Action, c'est tout simplement, eh bien, une petite mousse. Un petit tapis pour mettre dans les bacs à légumes pour éviter l'humidité dans le bac à légumes et pour faire en sorte que les légumes conservent beaucoup plus longtemps. Donc ça c'était 1,59 € il me semble, c'est pas le moins cher du monde. Il me semble même que chez Action je les avais un petit peu moins cher, mais ça fait un an ou 2 ans même, ou 3 ans même que j'en cherche parce que j'en ai un dans mon frigo, mais forcément il commence à faire la tête. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est pas ça. Coussin aérateur, 1,29. Non, non, pas 1,59. 1,29. Oh bon, ça va quand même alors. Donc oui, c'est un coussin aérateur. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc le but, c'est que s'il y a de l'humidité, plutôt que ce soit au contact des légumes, eh ben, ça va être dans le fond du bac. Et ça va faire un peu comme une micro-passoire. Vous voyez le truc? Bref, en tout cas, vos légumes vont être aérés tout autour. Et donc, ils vont conserver plus longtemps. Et il y aura moins d'odeur aussi. Donc, top. Ça fait longtemps que j'en cherche. Je vous montre bien le truc là parce que. Alors, moi, le mien était noir. Celui-là est bleu. Bon, j'ai envie de dire, je m'en fous de la couleur. Est-ce que c'est fini avec ce sac? Oui, ce sac est fini. Je vais donc aller chercher le sac qui contient mille et une monts et merveilles, et on va regarder ça ensemble. Alors, nous allons commencer par un petit cadeau que j'ai pris pour Monsieur Beauté en Herbe. C'est une petite boîte en plastique holographique avec un joli motif arc-en-ciel dessus. C'est une boîte à cigarettes, mais bien sûr, on met ce que l'on veut à l'intérieur, étant donné que, eh bien, on peut l'utiliser comme boîte à médicaments dans son sac ou autre, mettre des billets, des cartes, vous l'utilisez comme bon vous semble. Mais j'ai trouvé cette boîte très jolie. Voilà, 2,50 €. Franchement, pour le prix, ça va, hein. Ça va, ça va, hein. Très, très belle boîte. Alors, on continue parce qu'il y a énormément de choses, hein. Je vous dis, c'est la caserne d'Alibaba. Alors, j'ai pris
ce qu'on pourrait considérer comme peut-être mes biscuits préférés, ou en tout cas ils sont dans le top 10 de mes biscuits préférés. Ça s'appelle Obsession. Et c'est des biscuits au chocolat, comme ceci, mais avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Ah bah ça c'est très très bon, hein. C'est très très bon, c'est fait par Cookies Bergen. Alors je sais pas du tout dans quel pays c'est fait. C'est marqué là, c'est polonais, visiblement. Non, mais ça c'est trop bon, hein. Et ça j'en trouve qu'à Magic Dépôt. Donc après, le prix des biscuits et des friandises, méfiez-vous, des fois c'est pas toujours extrêmement intéressant. Mais vous avez des choses différentes. Donc ça, eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, combien ils coûtent ces petits biscuits? 1 euro le paquet. Donc 2 paquets, 2 euros, on continue. Alors, ça, c'est un cadeau que j'ai eu à la caisse. Oui, parce qu'en plus à la caisse, ils donnent des cadeaux maintenant. Donc c'est un petit biscuit de petit paquet de biscuits Tuc, hein, voilà, d'une autre marque que je connais, c'est une marque espagnole, vous savez, moi j'ai beaucoup été en Espagne dans ma jeunesse. Ils sont très bons, c'est comme des Tuc. Bon bah écoutez, ça a pas payé. A pas payé, a fait plaisir. Il y a d'autres cadeaux que j'ai eu, hein. Il me semble que ça aussi je l'ai eu gratuit. Ouais. C'est du chocolat belge Advocate. Donc c'est du chocolat noir à la crème Advocate. Advocate, c'est une liqueur belge. Je ne pense pas qu'il y ait de l'avocat à l'intérieur. Il me semble que c'est une liqueur à l'œuf. Bon, en tout cas, ça c'était cadeau, donc j'ai pas payé non plus. Il y a encore un autre truc. Je vais essayer de vous le trouver, comme ça je vais vous donner tous les cadeaux. J'ai encore un paquet de crites. Ça, j'ai pas payé à la caisse. Voilà, cadeau. Parce que j'ai acheté beaucoup. Ça doit être peut-être un cadeau tous les 10 euros d'achat, peut-être. Et alors, le dernier cadeau que je voulais vous montrer, il est où? Il est là. Ça également, j'ai déjà mangé, hein. J'en ai même déjà acheté, hein, parce qu'ils les vendent des fois. C'est des bonbons tendres, goût pomme. Oh, c'est bon, ça, des petites languettes à la pomme. Il n'y a pas de sel qui pique dessus, hein, ceux-là. Mais ça, c'était cadeau aussi, comme ça, vous avez vu tous les cadeaux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 cadeaux. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'était un cadeau tous les combien d'achats, mais bref. Je vous le signale, vous avez en plus des cadeaux à la caisse maintenant chez Magic Dépôt. Alors, j'ai acheté 2 paquets de bastogne, mais qui ont une forme un petit peu spéciale. Bastogne, ça ressemble à des spéculoos, hein. Mais regardez comment ils sont bizarres ces biscuits, dis donc, c'est 250 grammes par paquet. Voilà, c'est des petits biscuits à la cannelle. Mais le truc, c'est que vu le format, vu la taille des biscuits, moi, j'ai envie d'en faire des céréales dans du lait. Ah, ça doit être bon, ça, dans du lait comme des céréales. Donc, c'est des genres de céréales spéculoos, du coup, pour le coup, hein. Je sais pas du tout si ça a été prévu comme ça, hein. Je sais pas pourquoi les petits biscuits comme ça, saveur Bastogne, ils sont d'un seul coup. Normalement, les Bastogne, c'est quand même taille spéculoos, hein. Mais là, bon, bah, écoutez, ça, je vais en faire des céréales. Je vous dirai si c'est le bon plan ou pas. En tout cas, ça coûtait rien, 50 centimes le paquet. Ah, j'en ai pris 2, hein. Donc j'ai 500 grammes de Bastogne en format céréales pour 1 euro. Ça vaut le coup, c'est magnifique. On continue donc avec des serviettes en papier. J'ai pris des serviettes en papier parce que ça coûte habituellement la peau des fesses. Je ne sais pas pourquoi les serviettes en papier, ça coûte aussi cher. Et quand on invite du monde, c'est toujours bien d'avoir des serviettes en papier. Il me semble qu'elles étaient à 69 centimes, mais j'ai vérifié ça. Petite serviette en papier, où es-tu? 60 centimes. 60 centimes, même pas 69. 60 centimes et j'ai 2 paquets visiblement. Attendez. Oui, 2 paquets. À ce prix-là, forcément que j'en ai pris 2 paquets. Hein, parce que j'ai encore regardé chez Noz, notamment. C'était pas ce prix-là, les serviettes en papier. À chaque fois, c'est plus d'un euro. Et pour ce que c'est, quand même, je trouve ça cher. On continue. Ça, faut que je l'enlève du sac. Parce que ça pèse lourd et ça va écraser le reste. 1 kilo de pâte, Barilla. Penergate. Doué, je sais pas du tout comment on dit 72 en italien, mais il me semble. J'ai beaucoup écouté de télé italienne dans ma jeunesse, c'est pour ça que j'ai quelques notions, mais enfin, j'ai jamais pris de cours. Hein. Bref, j'ai pris 1 kilo de pâte parce que, alors, je vais le poser parce que sinon, peut-être que vous allez entendre du bruit de fond. Les pâtes, je trouve ça horriblement cher de nos jours. Donc là, c'était 1,59 € le kilo pour du Barilla, je trouve ça hyper raisonnable. Mais il est vrai que les pâtes, on peut plus dire que c'est un produit de première nécessité quand on voit le prix de certaines pâtes. Moi, je suis choqué du truc. Donc, j'en mange de moins en moins de pâtes.
Et en tout cas, eh bien, là, je vais pouvoir me faire plaisir avec des bonnes pâtes Barilla. J'ai pris des tucs bacon, parce que toi-même, tu sais que les tucs bacon, c'est les meilleurs tucs du monde. Petit tuc bacon, alors 75 centimes le paquet. Donc ça, c'est les premiers achats que j'ai fait en rentrant dans le magasin et j'ai comparé le prix par rapport au supermarché. C'est vachement moins cher, hein. Parce que dans les supermarchés, biscuits apéritifs, ils ont bien augmenté, hein. Donc il y en a deux normalement de tuc. Je vais sortir les deux. J'espère qu'ils ne sont pas trop écrasés par contre. Non, ça a l'air d'aller, hein. Deux paquets de tuc bacon. Ça fera du bien au moral. On continue. Alors, j'ai pris également, ceux-là, je les ai payés, donc des petits chocolats belges de la marque Jacques, praliné biscuit. Je précise que je les ai payés parce que vous avez compris qu'ils nous donnent des trucs qu'on achète et la même chose en cadeau des fois à la caisse. Hein. Bon, c'est pas la même saveur, c'est pour ça que je pense que ça a été offert à la caisse parce que Advocate, ça a un goût assez spécial quand même. La pralinée, forcément, les gens se jettent plus dessus. Alors, c'est pur beurre de cacao et 100% chocolat belge. Hein. Vive la Belgique. Bref, donc ça, c'est trop bon ce chocolat-là. Et souvent, il est très cher. D'ailleurs, on le trouve presque qu'en Belgique. Et c'est une marque chère, hein, Jacques. Là, c'est 1 euro pour les 4 barres. Alors, combien il y a de poids là-dedans? C'est des barres de 44 grammes quand même. Hein. Donc, il y a 4 barres de 44 grammes. Vous ferez le calcul, mais en tout cas, c'est vraiment pas cher pour cette marque et cette qualité de chocolat. On continue. Alors, j'ai des trucs là que je veux vous montrer à la fin pour vous faire languir. J'ai pris, très intéressant, du lait de coco. Parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps un poulet au lait de coco. Il était merveilleux. Du coup, j'en ai repris. J'en ai repris parce que chez Magic Dépôt, la petite brique de lait de coco, c'est 50 centimes. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher parce que oui. En supermarché, le lait de coco, c'est hors de prix. Hors de prix, donc je vérifie quand même. Parce que des fois, je dis un prix, puis en fait, c'est encore moins cher que ce que je pensais, tellement c'est pas cher. C'est 50 centimes, c'est ça, j'en ai pris deux, ça fait 1 euro. On continue. Dernier produit alimentaire, et après, on passe aux choses sérieuses. J'ai repris des marmites de bouillon. Celles-ci, c'est des marmites fond de veau. Donc, c'est pas pour la même utilisation que bouillon de bœuf. Bouillon de bœuf, vous allez mettre ça dans du bœuf mode, dans du pot-au-feu, dans de la carbonade flamande. Le fond de veau, c'est plutôt pour des paupiettes à la crème. La fameuse blanquette de veau, c'est très bon à l'intérieur. Donc, en fait, pour tous les plats qui contiennent de la crème, je préfère mettre du fond de veau. Par contre, pour tous les plats qui ne contiennent pas de crème, je mets plutôt du bouillon de bœuf. Voilà pour la petite explication culinaire. Et alors, ils étaient vraiment pas chers, ces petites marmites fond de veau là, parce que j'ai même l'impression qu'elles sont moins chères que chez Noz. 49 centimes le paquet, bien sûr. Ça valait le coup. Donc j'en ai pris deux. Et c'est pareil, c'est le genre de produit qui périme pas vraiment parce que c'est marqué à consommer de préférence avant. Donc là, c'est avant août 2022, mais c'est de préférence. Et si vous les conservez au frigo, de toute façon, ça conservera encore plus longtemps. On en a fini avec les produits alimentaires et nous allons donc passer maintenant aux produits cosmétiques. Et donc, j'ai acheté un après-shampoing cheveux et cuir chevelu, infusion pureté, infusion de thym bio et argile blanche. 95% d'ingrédients d'origine naturelle sans silicone du Petit Marseillais. Alors, vous le savez, moi j'utilise ce genre de produit comme l'eau shampoing. Comme c'est pour les cheveux et le cuir chevelu, eh bien, j'en applique sur les cheveux humides et le cuir chevelu, je laisse poser, je rince et je ne fais pas de shampoing. Alors, j'espère juste que ça sent bon parce que l'odeur du thym, c'est pas mon odeur préférée, mais bon. Bon, ça sent pas fort en tout cas. J'essaye de voir pour le sentir, mais forcément, quand j'appuie, il y a du produit qui sort. Non, non, ça a l'air d'être une odeur assez fraîche. Donc, ça fait un moment que j'en recherche de l'après-shampoing avec de l'argile. Là, j'en ai trouvé. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cool. Surtout que je ne l'ai pas payé cher. Nous avons donc. Il y en a encore des produits. C'est pour ça que c'est long à retrouver dans cette liste. LPM à Champ. Oui, bah c'est ça le petit Marseillais après-shampoing. Bah, dis donc 1,50 €. Vraiment pas cher. On continue. Dans les trouvailles cosmétiques, j'ai pris de l'eau micellaire de la marque Leno.
Il me semble que c'est une bonne marque, ça, Leno. J'ai pris cette eau micellaire parce que, vous le savez, en ce moment, je mélange huile démaquillante et eau micellaire et j'ai des bons résultats des maquillages en utilisant cette technique. Le truc, c'est que ça utilise deux fois de plus de produits, hein, parce que il faut mettre l'huile démaquillante et après émulsionner à l'eau micellaire. Remarquez, comme je fais pas de double nettoyage, c'est pas bien grave. Bon, il est vrai quand même qu'avec cette technique, on utilise pas mal d'eau micellaire parce que c'est comme si on rinçait l'huile démaquillante à l'eau micellaire. Et aussi, bien sûr, après, je fais un rinçage à l'eau du robinet. Hein. Bien sûr, voilà. Pas que l'eau micellaire comme rinçage, mais quand même, ça en utilise beaucoup. Alors, du coup, j'ai fait des stocks. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, alors, elle était fermée. Hein. Je l'ouvre pour vous. Je veux savoir l'odeur parce que c'est marqué feuille de thé blanc. Là, ça sent pas très fort. Et c'est donc pour les peaux sensibles. Voilà, donc c'est aux feuilles de thé blanc. Écoutez, ben, on verra bien ce que ça vaut. En tout cas, la bouteille d'eau micellaire, 1 € chez Magic Dépôt, donc ça vaut vachement le coup. Donc bah écoutez, je suis refait avec mes eaux micellaires. Est-ce que j'en avais encore d'avance? Je suis même pas sûr. J'en avais peut-être encore une Alvira de chez Action, mais le stock ça me nuise. Et comme on sait pas de quoi demain sera fait, bah autant faire des stocks. Hein. Moi je vous le dis. Alors on continue. J'ai trouvé un produit que j'adore à un prix défiant toute concurrence. Le Colorista Fader, c'est un shampoing pour enlever les semi-permanents et c'est selon moi un des seuls shampoings qui enlève effectivement les semi-permanents. Alors ça enlève, pas à 300%, hein, mais ça atténue vachement les semi-permanents. Ce shampoing-là, je l'ai déjà vu à 8 euros sur Amazon, il me semble, 8,90 € et encore sur Amazon, il n'est pas très cher. Là, quand vous allez voir le prix, vous allez courir au magasin et vous allez l'acheter. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pris. Alors des fois, il faut en prendre deux hein, pour avoir la promo. Hein. Sachez-le, hein, chez Magic Dépôt, des fois, c'est des lots. C'est pour ça que j'en ai pris deux, parce que ça fait beaucoup. Mais en même temps, je sais qu'il est efficace et ça périme pas du shampoing. Bref, je trouve pas le prix tellement c'est pas cher. Ah si, ça, ah, si voilà, c'est ça. C'est ça, non, c'est tellement pas cher que je retrouvais pas. 60 centimes le flacon de shampoing. Allô, quoi? 60 centimes. 60 centimes, j'en ai eu deux pour 1,20 €. Sérieusement, là j'en ai pris. Hein. J'en ai pris parce que de temps en temps ça m'arrive de vouloir faire du bleu. Et quand je fais du bleu, et ben après il me faut ça pour enlever le bleu et faire autre chose. Vous voyez là, j'ai utilisé ça un petit moment. Hein. Je l'ai fait deux ou trois applications quand j'avais fait du bleu. Après j'ai refait une coloration d'oxydation et il n'y a plus de traces de bleu, quoi. Ça fait pas vert dans mes cheveux. Hein. Donc ça, à ce prix-là. Si vous faites souvent du semi-permanent. Allez-y. On continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, un produit que je cherche depuis au moins 2 ans et que je trouve pas. Et je voulais même le payer très cher. Et même en payant très cher, je le trouvais pas. C'est le fameux masque Sayos Salon Plex. Bon, bah écoutez, celui-ci, il est écrit en flamand ou en allemand dessus. Je ne saurais vous dire. Hein. Masque soin intense Salon Plex pour cheveux très sollicités et abîmés. C'est la fête. Alors vous savez, j'avais testé le Plex, moi j'avais essayé le shampoing de chez Sayos Salon Plex, plus l'après-shampoing de chez Sayos Salon Plex, et j'avais pris un masque Plex de chez Action, parce que j'avais pas trouvé ce masque-là, et ça fait un moment que je le cherche. Et bah, j'avais eu des résultats bof. Mais là j'ai le masque officiel, le masque Salon Plex. Alors je vais tester tout ça, et je vous tiendrai au courant. Et c'est pas fini! Pourquoi c'est pas fini? Parce que j'ai trouvé une pépite. Et pareil, là, mon ami de toujours m'a dit ce produit-là, si tu en vois, tu le prends, c'est une pépite. J'ai trouvé également le sérum sans rinçage Salon Plex. Et ça, il paraît que c'est une dinguerie. Clairement, des sérums sans rinçage, j'en ai pas besoin. Mais d'après mes indics, ça, c'est un produit pépite de chez Pépite. Alors, combien j'ai payé tout ça? J'en oublie de vous dire les prix. Le masque soin Salon Plex, 2,59 €. Je pensais que j'avais payé plus cher que ça. Ben non, c'est que 2,59 €. Et alors le petit soin sans rinçage, combien j'ai payé ça? 1,50 €. Alors là, c'est pareil, j'aurais pu en faire des stocks, j'aurais pu y aller, y retourner, y en prendre, dévaliser le magasin à ce prix-là, surtout que. Mais je vais tester, puis si pas, j'y retournerai, parce que c'est pas loin de chez moi. Mais j'ai beaucoup d'espoir en ce produit parce que je me dis que si c'est un produit sans rinçage qui recrée, voyez, les liaisons là, hein,
le bond récréateur, donc et qu'en plus c'est sans rinçage, ça va recréer pendant un long moment les liaisons dans la fibre capillaire, et peut-être que je vais avoir des cheveux de dingue. On ne sait pas, on peut toujours rêver. Bon, en tout cas, je testerai. Ah, qu'est-ce que je vais vous montrer comme produit? Bah oui, parce qu'il reste que des produits vachement géniaux. Donc bon, bah c'est parti, je me lance, hein. Ça, j'ai sauté dessus. On va le tester en vidéo, peut-être avant mes vacances, peut-être après mes vacances. C'est un pinceau de maquillage 360 degrés. Je suppose que c'est un pinceau à maquillage qui tourne, comme j'en avais déjà testé un, hein. Ça se recharge en USB. Ouais. Donc, je vais pas vous spoiler ma vidéo dans laquelle je vais tester, mais vous avez donc un pinceau rotatif qui se recharge en USB avec des recharges. Vous en avez une pour les textures crème, une pour les textures poudre. Alors combien pour ce magnifique pinceau de la marque Tanda Beauty? On va regarder si ça se vend sur internet, ça d'ailleurs. On va regarder ça. Tanda Beauty pinceau. Alors là, je l'ai actuellement chez Boulanger à 18 euros au lieu de 60 euros. C'est-à-dire qu'à un moment, sur la planète, ce produit a été vendu 60 euros quand même. Ben dis donc. Et donc sur Internet, en tout cas, il est à 18 euros en solde. Voilà. Voilà. Bon. Il est à 14,90 sur Amazon. Ok. Et vous savez, si vous êtes déjà allé dans un magasin à Magic Dépôt, ils n'arrêtent pas de vous dire que c'est moins cher que sur Internet. Ben c'est vrai, parce que 5 euros le pinceau. 5 euros le pinceau qu'on peut recharger en USB rotatif. Franchement, non mais là c'est une blague. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais il m'en faut un. En plus, il est encore fermé, hein, il y a le ruban adhésif, il n'est pas ouvert le pinceau. Bah dis donc 5 euros pour ça. Alors, voilà, c'est bien marqué rechargeable USB. Hein. Voilà, rechargeable USB. Bon bah écoutez, on testera ça soit avant mes vacances, soit après mes vacances, parce que j'ai tellement de vidéos à filmer que je ne sais plus où donner de la tête. J'avoue. D'ailleurs, je filme des vidéos à l'avance maintenant, ce qui m'arrivait pas, parce que j'ai des idées qui viennent. Alors, je prends ma nouvelle caméra et comme j'ai beaucoup de place sur la carte SD, je filme, bref. Bien sûr, avec ce pinceau, j'ai pris les brosses de rechange. Ils vendaient les brosses de rechange. Alors, j'en ai pris plein, parce que moi, vous savez, j'arrive à détruire mes pinceaux à fond de teint, même les pinceaux à fond de teint de grandes marques, genre Real Techniques, au bout d'un moment, à force de les récurer, de les laver, ils perdent leur poil. Mais est-ce que c'est pas top, ça? Sérieusement. Tu prends ton pinceau à fond de teint, tu te maquilles avec, t'enlèves l'embout, hop, tu prends un autre embout, hop, il est propre, tu te maquilles avec, et quand tous tes embouts sont sales, tu les laves tous en même temps, comme ça, tu te prends pas la tête. Alors, combien ça coûte les recharges? Parce que le pinceau, il est à 5 euros, mais vous savez, des fois, les recharges, c'est un petit peu. Hein. Eh bien, écoutez, j'ai pris combien? 4 brosses de rechange et c'était 1 euro le kit. 1 euro pour deux du coup tête. Normalement, il y a une tête pour poudre et une tête pour crème. Pour. Ouais, fond de teint crème. Moi, je me demande si les deux, on ne peut pas les utiliser pour mettre du fond de teint crème. Ça, après, il faudra tester. Puis ça dépendra aussi de quel fond de teint, de la texture du fond de teint, etc. Mais. Eh. Franchement, ça, j'ai hâte de tester. Il y a encore deux recharges comme ça. Voilà. Là, je pense que j'ai du pinceau à fond de teint jusqu'à la fin de mes jours. Parce que oui, même si le truc rotatif fonctionne plus, ça fonctionnera très bien sans le truc rotatif. Mais l'idée des têtes interchangeables, comme ça me plaît bien. Comme ça, si jamais t'as un pinceau qui est pas propre, hop, t'enlèves juste la tête, tu reclipses et hop, tac, tac, et t'as un pinceau propre. Ça va être bien. Même pour mes vidéos, ça va être pratique. Hein. Bon, on continue. Il y a plein de trucs pour Monsieur Beauté en Herbe là-dedans. Il y avait plein de petits kits. Plein de petits kits de la marque Nomad Life à Magic Dépôt. Alors, moi j'en ai pris un pour Monsieur Beauté en Herbe parce que clairement j'en ai pas besoin. Moi j'ai des tonnes et des tonnes de cosmétiques, mais c'est vachement bien fichu pour partir en week-end. Là, c'est un multipack soin visage pour Monsieur en balade qui contient nettoyant pour le visage, gommage, masque visage, gel hydratant et crème visage nocturne. Ah ben je sais pas, je sais pas, voilà, je sais pas. Je ne sais pas, écoutez, il y a 3 x 5 ml et 2 x 12 ml.
Bon, c'est un petit kit comme ça, mais qui fait plaisir. Et alors, surtout, hein, surtout, c'était pas cher. C'était pas cher. C'est quelle marque ça? Oui, Tanda, c'était le pinceau, hein, faut pas que je me trompe. Ça, c'est 59 centimes. Et je pense qu'on peut en faire plusieurs applications. Je ne sais pas si c'est une seule application ou plusieurs applications. Parce qu'il y a 12 millilitres, hein. Quand on a un produit qui fait 12 millilitres, souvent, enfin, genre le gommage à 12 millilitres, moi je pense que ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà, il l'embarquera en vacances et il fera un petit soin du visage en vacances pour se détendre. Un jour où il fait pas beau, par exemple, parce que c'est dans le nord, il fait beau certains jours, et puis certains jours, c'est un peu plus compliqué, donc il prendra soin de lui. Bref, continuons. Pépite. Pépite. Oui, les meilleurs, le meilleur pour la fin, c'est pour Monsieur Beauté en Herbe, mais c'est des pépites. J'ai trouvé les shampoings de la marque Ergum. Nous avons le Ergum Nevada. Fortifiant anti-chute, boisé, made in France, tout ce qui va bien. Alors, ça, monsieur Beauté en Herbe, ben ça lui fera du bien parce qu'il perd un peu ses cheveux forcément, prend de l'âge. L'antipelliculaire. California rafraîchissant l'actif antipelliculaire. Menthe. Alors, ça également, ben écoutez, ça lui fera du bien parce qu'il a de la dermatite séborréique. Donc, oui, petit problème de cuir chevelu, donc antipelliculaire, ça devrait être adapté. Mais également pour la dermatite séborréique, j'ai trouvé purifiant. Séborégulateur. Alors, je ne sais pas lequel lui conviendra le mieux, parce qu'il a un cuir chevelu compliqué. Mais séborégulateur, ça devrait être pas mal pour empêcher la production de sébum, parce que la dermatite séborréique, c'est dû à une trop grosse production de sébum. Combien ça coûte un shampoing Ergum chez Magique Dépôt? Alors, est-ce que c'est... Je regarde, oui, voilà, ok. Là, j'ai autre chose. Hein, ça, c'est pour après. 2 euros le shampoing Ergum. C'est pas cher. Hein. On continue? Oui, on continue, c'est pas fini. Nous avons également la lotion Arizona, donc séborégulateur purifiante, et la lotion fortifiante Nevada. Qui vont avec les shampoings. Je n'ai pas trouvé de lotion California. Est-ce qu'elle existe ou pas? J'en sais rien. Il n'y avait pas de lotion antipelliculaire, mais petite lotion de la marque Ergum. Alors je dis Made in France, je dis Made in France. Je pense que c'est Made in France, Ergum. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge, mais c'est voilà. Il y a une adresse française, mais si, si, c'est bien marqué Made in France. C'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bien ce qui me semblait. Ergum, c'est Made in France. C'est trop bien. Combien c'est les lotions? Je crois que c'est au même prix. C'est 2 euros la. La petite lotion, vous rigolez, elle n'est pas petite, ça vous en avez pour toute une vie encore là-dedans, il y a 200 millilitres. Hein. Et les shampoings font 200 millilitres. Non mais c'est top ça, il va être content, il va être content. Je vais lui donner tout de suite après cette vidéo, je fais durer le suspense, mais il va être content. Et alors, eh bien, quand j'ai fini mes courses, voilà, j'ai acheté tout ça, et eh bien je suis passé à la caisse, et à la caisse j'ai craqué encore. Ben, c'est pas bien, mais j'ai craqué. Marie-Thérèse Porcher sort de ce corps. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai acheté du fond de teint. Oh bah mince alors. J'ai regardé le prix de ce fond de teint sur internet. Nocibé le vend à 20 euros et des poussières. Plus de 20 euros le fond de teint. De la marque Revlon. Alors clairement, je pense que c'est Nocibé qui le vend très cher. Hein, parce que sur d'autres sites, c'était pas 20 euros. Mais bon, c'était quand même un certain prix pour ce fond de teint-là. Et alors le truc, c'est que je me suis dit, si Nocibé ose le vendre à ce prix-là, c'est que quand même, à mon avis, ça doit être un super bon fond de teint. On peut pas dire, on peut pas afficher un prix de 20 euros sur un site internet si c'est un produit complètement pourri. Donc du coup, j'en ai pris deux parce que je savais pas ma teinte, comme d'habitude. De toute façon, ça dépendra été ou hiver. J'ai pris le 240 et j'ai pris le 220. Bref, il y a des antivols dessus. On voit pas le nom des couleurs, mais enfin, vous irez voir sur internet. Au pire, c'est le sand beige que j'ai pris. Et ça me semblait un peu pâle, sand beige, du coup j'ai pris naturel beige, il me semble. Naturel. Beige naturel, oui, c'est bien ça, naturel beige. Bon. Combien j'ai payé ces petits fonds de teint qui se sont invités dans mon caddie? Je
4 € le fond de teint au lieu de 20. Ah mais j'espère qu'il est bien par contre. Alors ils font 22 millilitres. Hein. Ça par contre 22 millilitres, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin ils étaient pas très chers, mais c'est vrai que faites attention. Hein. C'est pas des 30 millilitres, c'est des 22 millilitres, mais bon. Écoutez, hein, c'est un fond de teint fini naturel, anti-pollution, photorédit candide. Visiblement, il est assez récent en plus. Je ne sais pas pourquoi il est déstocké, mais enfin bref. Dites-moi si vous l'avez testé et dites-moi ce que vous en pensez. Bref, j'ai oublié de vous présenter également un autre produit. Ah, vite fait, hein, j'ai acheté du papier cadeau. Donc, bon, j'ai acheté 3 rouleaux de papier cadeau. Je vais essayer de vous les attraper et de vous les montrer. Voilà, et de deux. Donc, c'est des rouleaux de 2 mètres. Hein, parce qu'il faut faire attention au métrage hein, sur le papier cadeau. Et 2, 3, voilà. Il y a plein d'anniversaires en ce moment autour de moi, donc j'ai pris du papier cadeau comme ça. Et donc c'était, c'est parce que je vois le prix là sur le ticket, le papier cadeau, 59 centimes le rouleau de papier cadeau. Autant vous dire que c'est vraiment à pas cher, vraiment pas cher. Et voilà donc pour mes achats. Pour tout ça, j'en ai eu pour 77,62 €. Bah, je trouve que c'est pas si cher que ça parce que là vraiment j'ai beaucoup de choses et puis alors j'ai des produits franchement quand on voit le prix d'un seul shampoing Ergum par exemple quand on voit que le pinceau là rotatif que j'ai mis par là je vais arrêter. Ah non il est juste là, bah oui parce que tout se casse la figure, mais quand on voit que ça à un moment ils l'ont vendu 60 €, moi j'ai eu tout ça pour 77 quoi. C'est vraiment hallucinant, hallucinant hein. Bref, dites-moi si vous connaissez Magic Dépôt et racontez-moi si vous connaissez d'autres déstockeurs comme ça. S'il y a des déstockeurs à côté de chez vous, ben vous pouvez les mettre en commentaire, ça sera utile à d'autres beautés en herbe qui n'habitent peut-être pas dans le nord, mais sachez en tout cas que effectivement, Magic Dépôt, c'est la caserne d'Ali Baba. Il ne faudrait pas y aller trop souvent parce que clairement on dépense tout son fric là-bas. Remarquez, j'ai quand même pris pas mal d'alimentaires, hein. Les petits pois et les pâtes, c'est pas ce qu'on peut appeler du superflu et du vinaigre non plus, mais bon. Voilà, est-ce qu'on fait vraiment des économies? Je ne sais pas, puisqu'on achète peut-être des choses qui n'étaient pas prévues, mais on en a plus pour la même somme. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et bah moi, j'adore, en tout cas, j'adore. Et puis en plus, j'ai eu plein de trouvailles, j'ai trouvé plein de trucs pour mes vidéos, quoi. Un pinceau rotatif, un nouveau fond de teint. Alors moi, en plus, le fond de teint, je pensais que c'était une ancienne gamme, mais visiblement, il se vend encore hein, sur tous les sites. Hein, mais il y en a même qui le vendent très cher, écoutez. Donc, ben, c'est plutôt cool et du coup, on testera tout ça dans mes prochaines vidéos. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va arriver à soit la vidéo dans laquelle je me maquille avec une technique un petit peu spéciale pour que le maquillage soit confortable pendant les fortes chaleurs, soit vous aurez la vidéo sur les anglicismes dans le monde du maquillage. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire trend, blendé, cakey, et tous ces mots étranges que vous entendez à longueur de vidéos YouTube, eh bien, on va essayer de faire la liste et de les définir. Eh bien, écoutez-moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.